Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous revoilà pour vous proposer un nouvel petit exercice, donc un exercice d'ancrage. Il y a plusieurs niveaux d'ancrage. Celui que je propose, c'est le départ, c'est vraiment l'enracinement, créer des racines, hein, essayer de devenir comme un arbre. Voilà. Donc, je vais vous proposer cet exercice très simple. Il se fait assis ou debout. Je vous invite vraiment de préférence à le faire debout pour commencer le plus souvent possible. Après, c'est un exercice qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand. Si on attend le bus assis ou dans le bus, je dirais à une caisse de supermarché, vraiment, c'est un exercice où vous pouvez vous ancrer dès que vous en ressentez le besoin. Voilà. Le but étant vraiment de se relier à l'énergie de terre, du sol. Hein. Voilà. Donc pour commencer, en station debout de préférence. Vous allez commencer à porter votre attention sous les pieds pour vous connecter au sol. Ensuite, vous allez ramener votre attention au niveau du chakra du cœur, au bas du sternum. Puis vous allez commencer à imaginer. Alors le mieux c'est d'être les yeux fermés. Vraiment c'est important d'être les yeux fermés. Moi je vais vous le faire les yeux ouverts, mais bien sûr j'ai l'habitude. Et il est vraiment préférable de le faire les yeux fermés, voilà, le plus possible. Après quand vous aurez l'habitude, vous aurez les sensations. Pour ceux qui ont déjà l'habitude, ben, vous pouvez bien sûr évidemment le faire les yeux ouverts. Donc on est sur le chakra du cœur, au niveau du plexus, entre le plexus. Le chakra du cœur, à cet endroit-là, vous allez commencer à imaginer l'apparition de racines. On va caler ça sur la respiration, c'est-à-dire qu'à chaque expire, vous allez faire grandir les racines. C'est important de mettre ça à chaque expire. À chaque expire, les racines commencent à prendre de la place. Elles partent donc du chakra du cœur, du diaphragme et commence à descendre dans tout le ventre. Laissez bien prendre tout le ventre, les racines. Laissez bien se déployer autour des organes, les envelopper. À chaque expire, les racines prolifèrent, entourent vos organes et descendent dans le corps. Elles se dirigent maintenant jusqu'au bassin. Commencez à pénétrer dans les hanches, les organes sexuels, et bien tout envelopper, prendre un maximum de place. Puis descendre dans les jambes, entoure le fémur, entoure les os, entoure les muscles, et descendre en spiralant. Les racines descendent toujours en spiralant. Alors bien sûr, dans cet exercice, moi je vais aller un petit peu vite. Je vous invite à vraiment prendre tout le temps pour faire ça, tout le temps nécessaire dont vous avez besoin. Donc les racines descendent, passent les genoux, enveloppent, descendent vers les tibias, péroné, pour arriver jusqu'aux chevilles, enveloppent. Prennent toute la place dans les pieds, s'entourent autour des os des pieds. Et quand vous vous sentirez prêt, laissez descendre les racines dans le sol. Les racines sortent par les pieds, par-dessous, sur les côtés, et commencent à pénétrer dans le sol. À chaque expire, je vous invite à faire grandir, à faire descendre un peu plus vos racines. Prenez un maximum de place. L'erreur que j'ai rencontrée avec certaines personnes, ils prenaient de la place qu'autour d'eux. Laissez proliférer vos racines, laissez prendre un maximum de place. Autour de vous, dans votre appartement ou votre maison, puis dehors, pour aller à l'infini. Laissez étendre vos racines dans votre ville, dans vos environs, sur la France, les autres pays, jusqu'à la Terre. Pas de limite. Et puis, descendez aussi à l'intérieur de la Terre. Donc les racines, elles grandissent, mais elles descendent aussi dans la Terre. Et là, je vous invite à descendre le plus loin possible jusqu'au centre de la Terre.
Imaginez qu'il y a un gros cristal au centre de la Terre, que vous essayez de le rejoindre. Allez-y à votre rythme, rien ne presse. Si jamais vous sentez que c'est trop, bien sûr, vous arrêtez. Puis quand vous sentirez vraiment à l'aise avec cet exercice, vous pourrez rajouter l'inspire. À l'inspire, l'énergie va monter par ses racines, venir dans le corps comme une vague, et à l'expire, l'énergie va redescendre dans le corps. Donc à l'inspire, l'énergie monte dans les jambes, particulièrement à l'intérieur et à l'arrière, monte jusque vers le chakra du cœur et redescend par l'avant du corps et les bords extérieurs pour retourner dans la terre. Donc votre respiration devient comme une vague énergétique. Voilà. Et vous arrêtez quand vous voulez. Vous pouvez faire cet exercice très souvent. C'est intéressant de le faire plusieurs fois par jour, de manière à maintenir un ancrage stable, hein, d'éviter de faire un petit peu les montagnes russes avec l'émotionnel. Vous allez voir, ça va stabiliser. En tout cas, je vous invite à vraiment essayer cet exercice. Il est vraiment très chouette. Moi, il m'a apporté beaucoup, 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 beaucoup de stabilité dans ma vie. Donc vraiment, je vous invite à le faire, le refaire. Et puis, n'hésitez pas à m'en parler, à me donner votre expérience. Voilà. Et pour visiter mon site, pour savoir ce que je fais, bah, www.lamusiquedismaël.com. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, à bientôt, merci beaucoup, au revoir.